My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I worship like a dog. Où ça en est. Donc si vous cherchez la boutique, n'hésitez pas. Ah mais le numéro de téléphone, mais tu l'as filmé. Waouh. Ouais, tu l'as filmé tout à l'heure. Mais qui Cham, il nous a tout fait. Merci Cham. Il n'a pas dormi de la nuit. Peut-être regardez tous les tissus que vous pouvez choisir. Alors nous, on a pris celui-là, là. Voilà. Et vous pouvez avoir en uni, comme ça, si vous voulez faire, par exemple, les assises comme ça, et les dossiers comme ça, ou les assises comme ça, les dossiers comme ça. Il est en bleu. Il y a tout doré, il y a tous les velours. Il y a d'autres tissus. Et là, c'est l'atelier. C'est du travail, il n'y a pas de rendez-vous. J'ai vu fumer, c'est pour ça. Et coucou tout le monde. Alors Patrick se voit pas parce que on a calé le téléphone dans la poignée de la porte du camping-car. Ouais. Donc voilà. Et évidemment, ça tombe sur moi. Voilà, pour attends, aussi. On change de côté. Voilà, comme ça moi, voilà. Ah ouais, c'est toi qui te vois plus. Ouais, fois. Mais c'est pas grave, moi j'ai pas besoin de me si voir. Tu moi, la tête, tu te vois. Mais non. J'ai pas besoin de me pencher, on voit les dunes au moins. Mais non. Bon, ben voilà, donc vous avez vu la vidéo? C'est joli, hein? Ben ouais, c'est joli. Bon, c'est un peu du temps, on a passé pas mal de temps. Pour. Trois jours. Derrière, madame. Nini, elle a pété les plombs. Voilà, c'est... Bon, bref, non, ça a été une partie de rigolade, il était très gentil, Cham, mais. Compliqué de chez compliqué, mais bon. 3 jours. Ça va qu'on a Bessou qui nous fait la traduction. Hein. 3 jours, ça a été 3 semaines. Ouais. Hier, on a récupéré les deux coussins lundi. Ouais. Ça fait 3 semaines. Je suis allé chercher avec le dos. Donc voilà, mais bon, mais c'est pas grave. On était bien à Merzouga. On va quitter Merzouga avec avec un gros chagrin. Un gros pincement au cœur. Là, on a trouvé vraiment. Je crois qu'on a trouvé notre coin. Quand on va faire la Tunisie, si on trouve un coin comme ici, c'est pareil. On risque d'y rester parce que le désert. C'est vraiment reposant. Moi, je rêvais d'aller dans le désert déjà, donc ça c'est un fait. Mais c'est d'un repos. C'est. Vous avez. Voilà. Ce qu'on entend au loin, c'est les dromadaires qui brament parce qu'ils sont pas contents quand on leur met leur sel ou quand on met les trucs dans la bouche. Là. Ouais. Mais c'est d'un reposant, c'est d'un calme. Les gens, ils sont. Je ne sais pas s'ils les entendent là. Nous, on les entend, mais. Ouais, ça fait. Ouais, ils grognent. Ouais. Dromadaire, attends. Je vais faire. Bon. Voilà. Vous avez entendu le dromadaire. Donc on n'a pas un micro comme ça pour le balader. Voilà. Non mais on va s'améliorer. On va. Ouais. Si je vais les acheter les micro cravates comme mais... ça au moins déjà quand il y a la tempête.
Ah ouais, la tempête, putain, ouais, on a eu une semaine de tempête, on a tout connu dans le désert, hein. Même oh, le manque d'eau. Mais bon, voilà. Ouais. Mais franchement, non, le désert, les gens, ils sont, c'est encore différent. On s'est tapé, en fait, la pluie du Sahara que vous avez eue, on vous confirme, c'est bien le sable de Merzouga que vous avez eu. Ah oui, bien content. Vous avez vu, nous en reste encore. On l'a vu monter, nous. Ouais. Ah oui, on voit le sable, on voit le nuage de sable, en fait. J'ai compris maintenant. Pourquoi on a des temps là-bas, des pluies du Sahara. Là, on a les pluies du Sahara. Parce que, en fait, le sable monte en forme de nuage. Et on voit partir le nuage de sable. On voit des tornades se former. Et hop, ça monte, ça fait des tunnels. C'est des mini tornades. Elles doivent faire un mètre de diamètre, ouais, à peu près. Et, c'est un truc de malade. La plus grosse qu'on a vue, qu'on a traversé, qui a traversé la route au moment où on arrivait en Dax. On a tout pris dans la gueule. Elle devait faire 3 mètres de diamètre, celle-là. Ouais. Mais c'est pas violent, quoi. Mais ah, par contre, ça hein. fouette. Hein, Tu passes à travers. Hein, tu penses à fermer les yeux. Parce moi, que j'ai vu la tornade. J'ai dit, oh putain, j'ai baissé la visière. Ah ouais. Non, mais moi, là, maintenant, je suis équipé. J'ai du col. Comme les gens du désert. Eh ouais. Ouais. Ça nettoie les yeux, c'est naturel. Et franchement, c'est avec les lentilles, terrible. On s'en vient d'acheter des gouttes. En fait, eux, ils ont des produits naturels, la pierre qui mettent en poussière, quoi. En poudre, ouais. Du col. C'est les mines de col que vous avez vues dans une vidéo qu'on a été voir. En fait, c'est ça. Ça sert aussi à ça. Donc, voilà. Non, pour reprendre sur les gens du désert, c'est encore à part. Alors, le Marocain est très gentil, très serviable, très avenant. Mais alors, les gens du désert, c'est... Ils veulent plus qu'on parte. Demande tes papiers. Ouais. Ah oui. C'est vraiment un truc de malade. Mais moi j'ai la maison. Je te donne la maison. Je te prête la maison et tu demandes les papiers. Là, si un jour vous voulez venir à Merzouga, on a les adresses pour trouver des logements, des tentes, enfin tout ce que vous voulez. Là c'est pas un problème. Donc voilà. Pour nous ça va. Ouais. On se repose. On recharge les batteries avant de reprendre la vie européenne avec. On va avoir du nettoyage. La vie européenne avec société de consommation. Dans la capucine, j'ai l'équivalent de 3 mm de sable. Ouais, on peut faire du béton en rentrant. Putain, du sable, on en achetait pas. Camping-car, il faisait 5 tonnes, là, il fait 6 tonnes. De partout. J'ai ouvert le capot. Patrick a ouvert le capot ce matin. Il m'a dit, bon, je vais nettoyer le moteur, comme on va pas tarder à bouger. C'est même pas la peine. Il a ouvert le capot, il a rebaissé, il est arrivé, il m'a fait. Ouais, les dromadaires, on les entendait. Ah bah oui. Ben, vous les verrez pas, mais... Mais si je bouge la porte, tout doucement. Pas assez rapide, petit scarabée. Patrick, il ses petits doigts. Regarde si je les vois. Regarde s'ils sont... c'est bon, ils sont... Voilà. Les dromadaires qui traversent, là, dans la dune. Le camping. Voilà. Le camping. Parce que on est dans un camping... Ouais, il y a 3 Allemands qui sont arrivés, là, hier soir. Ouais, on est dans un camping où il n'y a pas de... Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de mur. Ah oui, on n'est pas dunes, rangé en randonnion. On est dans les dunes. Et pourtant, le camping, il y a tout. Il y a l'électricité, il y a les douches chaudes. Ah oui, même dans les tentes, là, il y a l'électricité. Tu veux dormir dans la tente, tu peux aussi. L'électricité. Donc voilà. Donc pour nous, le retour va se faire par Moulay Idriss, où c'est qu'on va voir nos amis qu'on avait rencontrés en descendant aussi. Là. Ouais. Et on va attendre la fin du ramadan. Parce que pour aller on vous expliquera un petit peu là, l'histoire de la grotte avec la bougie qu'on va aller tout ça là ça va on va essayer de le filmer si c'est possible parce que c'est quand même un lieu saint donc on sait pas si on peut le filmer. Ouais, c'est un peu comme notre Lourdes, voilà, c'est à peu près le même principe, c'est à Zéourne. Donc on va faire ça, on est invité à le faire, donc on va aller le faire et puis après malheureusement on va reprendre la vie européenne. Alors ça, quand tu as pris l'habitude de t'habiller comme tu veux, que personne ne te regarde et que tu fais ce que tu veux. Tu peux être taché. Oui, tu peux avoir une tache sur le machin. Hein. Ouais, t'en bats les... là, tu es liberté. Quoi. C'est vraiment la liberté totale. Et nous, on va reprendre le carcan européen. Le carcan, là, ça va être compliqué. Si tu n'es pas bien coiffé, on te regarde bizarrement. Ça va être compliqué pour si nous. Si tu n'es pas bien habillé, on te regarde bizarrement. Déjà, rien que la douane française. Ça va être compliqué. Ouais. Enfin, bref. Voilà, si, voilà. Ils ont des chaussettes, elles sont trouées, ils s'en foutent. Toi, le premier truc qu'on t'apprend quand t'es petit, c'est tu mets pas les chaussettes trouées pour aller à l'école. Voilà, bref. Voilà. On est toujours en vie, ça se passe très bien. J'espère que notre salon vous a plu. Et c'est un tissu typiquement du Sahara. Des couleurs du Sahara, en fait, c'est couleur sahraoui. Et la nappe, on a fait cadeau. La nappe, on nous l'a donnée, c'est le frère du camping, là, de ce lieu de Moubarak, le camping. C'est Bessou.
Donc, le soir, sa femme, elle nous prépare un truc, une pizza berbère. Ouais. Le semaine pour le petit déjeuner. Ouais. Patrick s'est rendu compte qu'il avait grossi. Peut-être. Il m'a dit, mais je crois que j'ai grossi. Sur les vidéos, en fait. C'est à cause de YouTube, ça. Ah, c'est YouTube qui déforme. Oui, mais ils ont des fringues qui sont tellement larges et amples qu'on y est bien dedans. Du coup, on peut manger. Voilà. Voilà. Rien d'autre à rajouter ? Non, c'est tout. Et puis, pas plus. Hein. Pas plus, pas moins. Ben pas voilà. Plus, avec pas moins. Plus, on fera pas moins. Voilà. Hein. Donc, à la prochaine vidéo. Ou pas. Il faut qu'on trouve une agence aussi pour prendre le bateau. Ouais, on n'a pas de billet. Est un peu à la route, cela. On est un peu à la ramasse. J'ai peur que ce soit juste. Mais... On n'a pas de billet de retour. Ouais. Et du coup, quand j'ai voulu regarder, tout est plein. Il y en a qui sont complets. Alors, je sais pas. On rentre à la nage. Je m'arrangerai avec les douaniers, on verra là-bas. Je sais pas, on va voir comment on fait. On demandera un report. Je sais pas, on va voir. Trouve toujours une solution ici, il n'y a pas de problème. On paiera l'amende, oh là là. Et voilà, c'est une solution, par exemple. Machi Mouchkine. Là, il n'y avait pas de problème. Père. Par contre, là, du coup, tout est décalé de ce côté. On va attendre de ce côté pour recentrer la chose. Ah oui, non, c'est que toi, tu es au milieu. Bref. Ah, bah, oh, ça va, c'était pour voir la dune au fond. Ah. Moi je me vois pas, c'est bien. Ouais, mais moi je me vois. De toute façon, moi d'un côté comme de l'autre, je dépasse de la poignée quelque part. On vous fait de gros bisous. Ouais. Et puis à bientôt. On pense bien fort à vous. On va pas tarder de reprendre sur le bateau. On essaye de penser à vous, mais franchement, on s'imagine déjà faire nos courses. On se voit bien arriver à la caisse. Allez, 110. Attends, je vais payer un dirham, voir s'ils sont d'accord. Je vais leur filer 100 dirhams au lieu de 100 euros, je vais voir. Ici, avec 100 dirhams, tu vis. Putain, c'est à la maison, avec 100 euros, pas grand chose. Ben voilà. Des gros bisous, à bientôt, on vous tient au courant. À bientôt, on pense bien fort à vous. Allez, bisous. Bye bye. Coupé. Coupé ? Ouais. T'es allez, sûr ? Oui. Allez, coupé. Allez, ils en ont marre de voir mon col. Hein, qu'est-ce que ça dit là ? Ah mais il est là. Ah oui, je crois que c'est du mauvais côté. Il est con lui, il regarde le bouton stop de la vidéo. Allez, action. Coupez.